Coucou tout le monde, je pensais pas faire cette vidéo de si tôt, je sais pas trop dans quoi je m'avance, c'est tout nouveau. Mais du coup, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo Sims. Suite à ma dernière vidéo, je vous avais parlé de ce que j'aimerais faire et je me suis dit, on s'en fout, fais-le. Et du coup, je voulais commencer par un challenge qui s'appelle le Legacy Challenge. C'est hyper long, donc je commence vraiment pas par les challenges. Simple, mais il se peut aussi que je sois une bille avec les règles et que j'ai rien compris. Mais si vous avez des choses à dire sur les règles que je vais dire, dites-le, vraiment, parce que là c'est que le début donc je peux pas vraiment me tromper normalement, mais voilà. Du coup, il me semble que c'est un challenge où on commence avec rien, genre vraiment zéro sous. Et le but, c'est de faire durer la famille sur 10 générations. En gros, à la fin, l'héritier héritera d'un objet qu'on va payer après. Et du coup, le but, c'est aussi, il me semble, que chaque famille soit différente. Par exemple, je dis n'importe quoi, vous commencez avec la première, une aspiration, je sais pas, j'ai pas les aspirations en tête. Grande famille, bah, il va falloir compléter tout ça et tout. Et ensuite, par exemple, vous faites une génération sur le thème de la cuisine, voilà, tout ça. Donc il me semble que c'est un truc comme ça, en gros. Après, il y a d'autres règles et tout ça, mais ça, j'énoncerai mes choix avec le temps. Et du coup, personnellement, je n'ai pas de pack ou d'extension, j'ai rien du tout, vraiment, juste le jeu de base et des CC du coup. Et du coup, je vais vous présenter tout de suite notre première héritière. J'ai pas du tout d'histoire ou quoi. Donc si vous voulez lui créer une histoire ou quoi, j'ai pas, faites-vous plaisir honnêtement. Je ne sais pas, je veux juste tester. Je vais pas dire que je vais faire tout bien. Mais voilà. Donc, je l'avais déjà créé à l'avance parce que je préférais ça, je mets 10 ans à créer un Sims. Et avec ses aspirations et tout, donc tout est déjà fait. Et il me semble qu'en plus il faut débuter avec l'aspiration grande famille, donc je suis plus sûre. Bref. Voilà. Elle s'appelle Willow Witch. J'avais pas du tout d'idée pour mon famille, mais je sais pas, Willow, je trouve ça beau, du coup je l'ai appelée Willow. Et Witch. Me demandez pas. Du coup, de près, elle ressemble à ça. Je crois que tout ce que j'ai utilisé, c'est des CC, il me semble. Ouais, j'ai qu'utilisé des CC, hein. Je suis full CC, mais en général, je prends des Maxis, Maxis Match. Du coup, voilà. Du coup, ça, c'est sa tenue quotidienne. J'en ai fait qu'une. Peut-être que par la suite, j'en ferai une deuxième. Je sais pas. Je l'ai mis jeune adulte aussi. Du coup, ça c'est sa tenue pour sa tenue habillée. Je sais pas pourquoi je cherchais un mot compliqué. Voilà. Sa tenue pour le sport. Merci, tu charges. Voilà. C'est vraiment simple. Hein. Non. Oups. Sa tenue pour le dodo. J'essaie de changer la coupe à chaque fois et d'essayer que ce soit logique parce qu'elle a quand même les cheveux longs. Donc, fallait quand même que ce soit pas non plus un truc trop long. Vous voyez. Voilà. Sa tenue de fête. Et sa tenue maître bain. Je crois pas avoir fait la tenue temps chaud et temps froid. Peut-être que si. Bon, si, je l'ai fait quand même, mais du coup, moi, ça ne change rien parce que. Parce que, bah, comme je vous ai dit, j'ai pas de pack, donc j'ai pas le pack des saisons, donc ça changera pas les saisons, il y a pas les fêtes non plus, du coup, j'ai vraiment rien. Mais oui, du coup, ce que je voulais dire, c'est que j'ai fait la Sims au préalable, j'ai pas joué du tout, je l'ai juste placée sur un terrain comme c'est spécifié en 50x50 et je l'ai laissée avec l'argent qu'il fallait. C'est tout ce que j'ai fait, j'ai pas joué, j'ai rien fait, j'ai juste créé la Sims en gros. Du coup, j'ai quand même les règles à côté de moi parce que j'ai une mémoire de poisson rouge et du coup, du coup, c'est parti, on commence. Du coup, voilà, c'est le terrain que j'ai choisi. Du coup, c'était le seul en 50 x 50 Willow Creek parce que je joue que sur Willow Creek moi. Genre, je joue quasiment que là. Soit sur, vous savez, je sais plus son nom. Il y a Oasis Spring et l'autre.
Le terrain de jeu de base où il y a vraiment rien, c'est quand j'ai plusieurs foyers, que du coup voilà. Donc au début vous commencez avec 10 000 Simflouz, du coup pas de triche ou quoi. Voilà, et du coup ce qu'il faut faire en premier, c'est acheter du coup l'armure chevalier, je crois, un truc comme ça, ou armure, un truc qui s'appelle armure. Voilà, c'est ça. Ça là. Du coup on l'achète. On pleure. Pleurons. Et on le met dans l'inventaire du foyer. Et du coup, le but, c'est de le récupérer à la fin du challenge. Donc, quand l'héritier de la 10e génération, quoi. Donc, à chaque fois, je vais taper mon micro, nickel. Du coup, ensuite, avec l'argent qui vous reste, vous pouvez commencer à vous faire une maison. Donc, les trucs, le plus important, c'est de mettre les choses nécessaires. Du coup, le pire, c'est que moi, comme je dis, j'ai pas de pack, donc j'ai pas les trucs en petit ou quoi, donc c'est vraiment chiant, ouais. Donc, on va commencer avec un petit, pas un trop grand truc, du coup, parce que, dis pas si on peut directement créer notre maison, mais le but, c'est que, apparemment, c'est mieux de faire sa maison que d'en apporter une, parce que du coup, bah, voilà. Du coup, moi, je trouve ça plus intéressant de la faire au fur et à mesure. Bon, je suis pas très bonne pour faire les maisons, mais vous voyez, hein. C'est vraiment juste le début. Donc, je vais faire un petit truc. Ouais, faut vraiment que ce soit petit, hein. Je vais faire un petit truc comme ça. Je vais l'élever. Est-ce que ça coûte de l'argent d'élever? Ça... Non, c'est bon. Alors, faut mettre une porte quand même, sinon on peut pas rentrer. Le truc, c'est que je peux même pas mettre de lit, genre. J'ai le. Le plus important du coup, c'est que je mette un lit et encore de quoi se laver. Sinon, il faudrait qu'elle aille chez les gens carrément. Parce que manger encore, je peux l'emmener au parc au début. Et ah, la boîte aux lettres aussi. Manger, aller aux toilettes et tout ça, il y a les toilettes publiques et tout ça. Quoique, il y a les douches à la salle de sport. Donc ouais, alors ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre un lit, parce que du coup c'est plus important, je vais pas la faire dormir dehors non plus. Donc on va lui mettre un lit, une place. De toute façon, comme j'ai dit, c'est le début, elle va pas rester avec ce lit indéfiniment toute sa vie, hein. Du coup il me reste 600, donc je vais mettre ce qui me semble le plus important. Je pense que c'est quand même mieux que je lui mette un frigo au moins. Parce que, histoire qu'elle puisse bouffer un peu. Bah, je sais pas, j'avais plus d'argent pour un frigo. Donc je vais mettre un frigo pour qu'elle puisse bouffer un petit peu. Voilà. Et il me reste 240. Je pense qu'il faut que je dépense le plus possible, hein, donc ce que je vais faire. Donc j'ai un frigo, le lit. Il y a quoi d'autre comme besoin? Ah ouais, le divertissement. Écoute, tu auras un téléphone. Un téléphone. Donc je vais la divertir avec ça. Bah du coup je vais mettre les toilettes, ça peut être plus pratique. J'ai pas assez pour les toilettes. Je sais pas si je peux mettre encore quelque chose. Je vais regarder. Non, je peux pas mettre grand chose, hein. Bon, attendez, vous savez quoi? Je vais quand même le mettre le lit d'avant et comme ça je peux mettre des toilettes. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Je ne sais pas. Je sais même pas si j'ai le droit de faire ça. Mais en vrai je sais même pas si elle rentre dans ce lit, je pense que oui quand même. À votre enfant. Normalement, il rentre dedans, hein, parce que même les ados, ils rentrent dedans. Hein. On va dire qu'il rentre dedans. De toute façon, je vais tester, hein, s'il rentre pas dedans. Je vais lui changer. Du coup. En vrai, je sais pas si je suis censée tout dépenser, c'est peut-être mieux de pas tout dépenser, mais. J'aime bien la galère. J'aime bien me compliquer les choses, donc on va tout dépenser. Et voilà. Des toilettes. On va mettre comme ça. Et je vais juste mettre un petit peu de terre autour. Voilà, je pense qu'on peut continuer. Normalement, elle peut dormir dedans.
Ok, alors niveau des modes, personnellement j'ai le Slice of Life, la Strategy. Je vais désactiver sur celui-là histoire qu'il nous arrive pas des merdes. Et Extreme Violence, mais j'ai la version qui date de au moins 2017. Donc on peut vraiment rien faire avec et je l'utilise pas souvent. Et j'ai un mode. Attendez, bon, je sais plus. J'ai le mode avec la. Pourquoi tu. Ça commence bien. S'il te plaît. Bonjour! Ok, c'est bon. C'était un peu bugué. Non! Du coup, voilà. Mais s'il te plaît! Les gars, le jeu, il veut pas. Donc j'ai le vie, le. C'est le mode, vous savez, avec la grossesse plus détaillée et plus réaliste, mais j'ai pas les derniers trucs, je sais plus quand j'ai téléchargé, je crois il y a 2-3 mois, un truc comme ça. Le Slice of Life, Extrême Violence, donc comme je vous ai dit, mais il me sert littéralement à rien. Et la stratégie, j'ai dit quoi d'autre? Non, c'est bon, c'est tout. Ah oui, si, c'est mes yeux, ça se voit pas, parce qu'il est pas dans les. Interaction quand t'es tout seul, mais j'ai le mode passionnate romance parce que c'est cute. Bienvenue dans ton chez toi, Willow. J'espère que tu es contente. En tout cas, tu en as l'air. Tu en as l'air. Donc, vraiment, on n'a pas trop d'envie d'acheter un jouet. Ouais. Le truc, c'est la première chose du coup, ce serait de lui trouver quelqu'un. Je ne sais pas encore. Ce serait une femme ou un homme. Le truc, c'est qu'il faut juste pas qu'il soit quelqu'un qui a déjà une maison, du coup. C'est un peu logique parce que sinon, du coup, bah, la plupart des gens qui sont dans la maison, ils sont. Marié et tout ça, donc c'est compliqué. Donc j'espère que j'ai droit, mais techniquement, comme je vous ai dit, je peux pas faire autrement. Ah oui, ça, je pense que je vais l'enlever pour la prochaine fois, on verra, parce que c'est vraiment trop chiant, le cycle menstruel du mode Slice of Life. Bref. Du coup, je pense qu'on va aller quelque part pour pécho quelqu'un. Parce que, bah, comme je vous ai dit, j'ai rien. J'ai rien du tout. Donc, pour le moment, on va d'abord s'occuper de ça. Bon, du coup, je vais aller à la bibliothèque. On verra ce qu'il y a. Ah, et aussi, je m'autorise parce que les PNG, non, les PNJ, ils font absolument n'importe quoi avec mes CC. Donc, si on tombe sur un PNJ à draguer et que CC ressemble à rien, je m'autorise juste à le changer pour. Voilà. Genre, juste mettre des CC normales, je changerai pas son visage ou quoi, ou son apparence, juste les vêtements, la limite, et. Ça, parce que j'ai des CC cassés, et du coup, bah. Il est possible que vous trouviez des gens avec. Des CC cassés. Donc, du coup, c'est le bibliothécaire, ok. Et. Ça, bah, du coup, c'est Vladimir Gothic, donc on va éviter. Parce que, du coup, il est déjà. Alors. J'aimerais bien qu'il soit jeune adulte aussi, donc il est jeune adulte. C'est chaud, la calvitie, elle est venue vite, hein, pour toi, mon ami. En vrai, je la vois bien pécho une fille, ça qui m'énerve. Non, je vais pas. Je sais pas. Vous savez quoi, comme j'ai dit aussi musée, on va aller voir au musée. Et sinon, on viendra. Ah, elle est inspirée. C'est pourquoi? J'adore être au fourneau. Ok. Elle est déjà droguée, nickel. Ok, mais je pense qu'il n'y a personne au musée à part les visiteurs du coup. Peut-être il y a des gens autour. Vous voyez, par exemple, là, il y a une madame buggée. Je sais pas qui c'était qui. Marie Masson, il me semble que c'est une. Elle habite dans. Ça, c'est Monsieur Plénosa, ça. Oui. Du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un?
Non, il y a son père. C'est vide. Ouais, c'est quoi? Alors, toi, t'es qui, toi? Attends. Tu pars toute seule. Mais t'as l'air BG, madame. Julie Perrin. Je vais utiliser le MC command. Putain, mais mon jeu, il ne veut pas aujourd'hui, hein. Ça, c'est... C'est parce qu'il vient d'avoir une mise à jour. Hein. Me blâmez pas. Alors. Elle a deux... Eh, merde, c'est chiant. Bon. Elle a deux enfants. Allez, c'est parti. Du coup, je vais aller revoir le monsieur de la bibliothèque. Non, ça c'est... Qu'est-ce qu'il fait? Bon. On va retourner à la bibliothèque. J'avoue qu'il m'a pas trop séduite, mais peut-être qu'il va séduire Willow, qui sait. Peut-être qu'il me plaît pas à moi, mais... Peut-être qu'il plaira à Willow. Putain, elle est blasée en plus, c'est chiant ça. Déjà, on va essayer de complimenter l'apparence. Est-ce qu'il me recale? J'adore sa calvitie. Je suis allée au lycée, hein. Me regardez pas comme ça. Bon. Bah, il a pas l'air de vouloir la repousser. Je suis vraiment désolée si je bug aujourd'hui. Ah! Ah bah non! Ok. C'est un non de la part de Monsieur Théo. Oh merde, elle a une... Je vous jure, ce mode me saoule. Attendez. Je réessaye. Je fais une technique de drague. Et en attendant, je vais lui enlever le truc avec ça. C'est trop chiant. Ok. J'ai compris. Salut mon pote, t'es chiant. Donc on va pas te pécho toi. Hein. Il y a une madame. Ce problème, c'est qu'elle est adulte. Lambert. Elle va pas vouloir de moi, c'est ça? Prendre des chips. Ok. Bon. On va commander une boisson. Ah non. Bon, jeu de l'eau. On va essayer de se rapprocher de Madame Jeanne et si ça marche pas, bah elle est tous au faire foutre, c'est un problème de Lambert. Voilà, et tu t'assois, s'il te plaît. C'est un peu mieux. Imaginez, genre, elle sort son shaker et tout pour nous faire de l'eau. Putain. Mais oui. Ok. Réfléchir au vide du verre. Bossamo. Ah. On va faire technique de drague pour le moment. On va la draguer jusqu'à pouvoir faire le premier baiser. Et quand on aura fait le premier baiser, on va rentrer chez Willow. Voilà. Sinon, on peut pas faire de. Je crois, il me semble qu'on peut pas faire caca avant le mariage et tout ça. Quoi, non? Elle a pas aimé la terre. Attendez. Je sais plus ce que j'ai fait. On va réessayer. Mais vas-y! C'est vraiment des problèmes, hein. Ah, ça y est, y en a marre de moi. Je sais pas. C'est trop pour moi. Est-ce qu'elle le veut ou pas? Parce qu'elle avait. Je réessaye encore une fois de la complimenter, sinon bah.
On va rentrer seul ce soir. Lombec. Ah, elle non plus, elle veut plus d'elle. Bon, bah nickel. Bon, au moins, c'est fait. Barb. Hamplin. Ah, the Ah, beach. peut-être. Ooh. Et vous voyez? Elle n'a pas dit non. Bon, j'abandonne. Oh! Winka. Oh, On peut pas whiffed le... Ouais. On va l'ouvrir. Nice. Bon, c'est juste 20 simfous, mais... On prend, on prend. Et vous savez quoi maintenant? On voit qu'elle soit un peu fatiguée. Elle a un peu faim. Donc on va lui faire... Est-ce qu'elle peut cuisiner? Mais elle peut pas cuisiner, on est d'accord. Elle peut pas cuisiner. C'est ce que je pensais. Donc elle va manger un repas rapide. Soda de marque inconnue. Qu'est-ce que tu veux, toi? Sandwich. Oui. Sais pas. Dans le 12, on dit oui. Ok, alors, est-ce que c'est l'entraîneuse? Eh, vous pouvez pas dire que c'est de ma faute, hein, que je suis exprès de pécho une meuf. Parce que je... Parce que j'aimerais... Parce que je préfère ça, entre guillemets, pour moi. Mais... Je fais vraiment pas exprès, hein. Vous avez vu qu'il y avait plus de meufs que de mecs, donc... Je fais ce qu'on... Je fais ce qu'on me donne, ok? C'est la fille, là? Non? Pourquoi tu fais ça? Ce mode, il m'énerve, parce que... Il pose des questions parfois comme ça, et du coup, c'est un peu chiant, parce que... Faut pas faire ça. Genre là, vous voyez, elle lui a dit est-ce que je suis le lait? Elle va lui dire non, nique ta mère. Et bon, ça m'arrive même avec des gens qui ont une affinité de malade. Évidemment. D'accord, donc tu veux bien me pécho? T'es qui toi? Dégage toi! T'es trop jeune. Je vais voir si elle veut bien un petit. D'abord, on va faire connaissance, tout ça. Voilà. On se précipite pas! Bon, je vais augmenter leur bar et tout ça, et on se retrouve après. Le problème, c'est que là, notre petite amie vient de nous demander si on devait, si elle devait changer de travail ou pas. Je sais pas si elle va vraiment changer ou pas, mais on va tester. De toute façon, c'est pas si grave, parce que ça n'influence pas, ça n'influence pas sur nous. Eh ben, bonjour. J'étais en train d'augmenter son divertissement et elle est venue. Mais j'ai rien fait! Ouais, je vais refaire une photo comme ça, au dessous, en plus on peut vendre les photos. Attends, attends, attends. Quelle bonne idée pour se faire de l'argent, vendre nos photos. Wow. Alors parfois ça bug. Genre là ça a bugué, vous voyez. Non. Bon. On va en garder quand même. Ça fait toujours de l'argent. Oh voilà, c'est mignon. Voilà, on va même lui faire en sorte qu'elle en affiche une pour montrer que elle est vraiment tombée amoureuse de Stéphanie. C'est bien son prénom, parce que j'ai dû oublier. Voilà. Bon, elle va afficher les deux, le reste on vend. Hop. Du coup, moi je vous propose qu'on va s'arrêter sur ça, parce que ça fait déjà une heure que je suis, mais on dirait pas comme ça, mais c'est parce que j'ai beaucoup bugué, j'ai eu beaucoup les. J'ai suivi beaucoup d'échecs. Et du coup. Voilà. Donc j'espère que cette nouvelle aventure va vous plaire. Moi en tout cas, je pense que je m'y ferai au bout d'un moment. C'est bizarre au début de commencer avec rien, parce qu'on a tous l'habitude de commencer avec nos petites cotes de triche pour avoir une maison trop bien. Et du coup, ça change beaucoup.
Donc, on se retrouve, je ne sais pas quand, parce que là, je suis pas encore en vacances, j'ai fini sur un coup de tête parce que j'ai le temps vu que c'est férié. Donc, on se retrouve bientôt pour la suite de ce Legacy Challenge ou pour une autre vidéo. Bye bye!